Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps, je me dis, oh mon dieu quoi. Depuis 7 mois, j'ai pas tourné de vidéo. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? D'ailleurs, mon dieu, bref. Et ben, je suis de retour. Je suis là, présente. Je vais recommencer mes vidéos vraiment à fond. Parce que... Et vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant tout ce temps. Parce que il y a une grande nouvelle. Quelque chose qui s'est fait, qui est venu comme ça. Et du coup, bah voilà. Donc là, on se parle vraiment à cœur ouvert. Depuis 7 mois, je n'ai pas fait de vidéo. Par où commencer? Déjà, j'avais mes partiels. Donc je me suis dit... Je vais pas tourner de vidéo pendant tout ce temps et je vais me concentrer sur mes études. Et comme ça, en août et tout, je ferai des bêtes de vidéos en vacances. Sauf que le problème, c'est que j'ai appris que Baby Girl était déjà installée depuis quelques mois dans mon petit bidon. Voilà, d'ailleurs, petit bidon... Gros bidon, oui. Donc du coup, ça a tout chamboulé. Parce que du coup, j'ai voulu profiter avec ma famille, etc. Mes amis, leur annoncer. D'ailleurs, je vous ferai des petites vidéos sur ça. J'ai trop hâte. Et du coup, j'ai validé mon année. Voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé à tout préparer. Tout organiser. Rendez-vous médicaux. Tout ça. Donc je suis partie en vacances, je suis rentrée, je fais plein de rendez-vous, j'avais plein de rendez-vous avant parce que ça s'est su un petit peu tard. Donc je pensais pas du tout à YouTube. Mais ça me manquait au fond de moi, j'avais quelque chose qui me manquait et tout. Du coup je me suis dit, non Léa, maintenant que t'es à la maison et que voilà, tu commences à acheter des petites choses pour Baby Girl, que tu voilà, et ben tu vas faire des vidéos du coup. C'est parti, je suis là de retour, pimpante en bombe, avec petit bébé qui grandit bien. Et puis voilà, donc c'est parti. Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver, n'empêche. Après, je vais pas vous mentir que ma grossesse est un peu compliquée. J'ai un bébé qui est très en bas, engagé dans le bassin. Donc je suis à la maison toute la journée. Je ne vais plus à l'école, donc mes amis qui passent par là, merci de me donner certains cours. Et sinon, je prends le reste sur internet, sur une plateforme qui me donne du coup et qui voit ce qu'il y a des cours. Et du coup, comment vous dire que c'est bizarre. Je suis à la maison toute la journée, donc je fais quoi? Je me lève, je prends mon petit déj, je regarde un peu la télé, après je travaille mes cours, et ensuite je regarde des films de Noël parce que j'adore. Donc là, je vous dis, par semaine, vous aurez
une à deux vidéos. D'accord? Et ce n'est pas tout. J'ai préparé des petits plannings où est-ce que genre, vous aurez des vidéos de grossesse et d'autres vidéos à thème, etc. Bon, là, je suis pas très belle, tout ça, donc il faut que j'aille me prendre un petit bain. Et ensuite, on va commencer notre journée. Bon, j'essaye de pas trop vous montrer dans les détails parce que je vais vous faire un petit appartement tour. Du coup, ici, c'est un petit legging de grossesse. Là, c'est un haut qui vient de chez H&M. Ça, c'est un petit pull rose, comme ça. Un petit gilet quand j'ai froid et tout que je mets. Donc, je vais le mettre par-dessus. Et du coup, ben voilà. Je vous montrerai ça après la douche. Je sais pas si vous croyez un peu genre aux légendes et tout. Mais moi, on m'a toujours dit, si t'es enceinte d'une fille, tu vas être moche car ta fille prend ta beauté. Vous pensez que je suis moche, là? Oui. Alors aujourd'hui j'ai utilisé le Timothée 2 en 1 douceur. Donc 2 en 1 parce que c'est un après shampoing et en même temps un shampoing. Je vais utiliser le Saforel que j'ai acheté en pharmacie. Donc c'est un soin intime et corporel. Là ma douche est terminée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre au travail. Mais avant je voulais vous montrer ma tenue du jour. Donc vous verrez que mon ventre est bien gros, bien bas quand même, ça va. Sauf qu'il est un peu remonté là. Mais dès que je vais faire des efforts, il va redescendre. Donc là je suis dans ma chambre et je vais récupérer mon ordinateur et mes petites lunettes. Ah là 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 là. C'est quelque chose quand même. D'ailleurs, pour vous parler un peu organisation, j'ai acheté cet agenda chez Maison du Monde. Trop bien. À 14 euros, il me semble. Mais il est grave pratique, genre. Bon, je l'ai pas encore rempli parce que ça fait que 2 semaines que je l'ai. Bon, vous voyez, par exemple, en septembre, il y avait une citation, je crois en moi. Avec les jours-là comme ça, mes dates clés, ma to-do du mois. Quoi. Ensuite, j'ai pris un bullet journal pour mes vidéos YouTube. Donc, tout est là-dedans, etc. Donc, voilà. Il s'organise un peu pas mal, en vrai, j'aime bien. Après, pour tout ce qui est livre de cours, bah, ça, c'est Emma. Emma la vie, quoi. Emma la base. Emma le style. Voilà. Ça, c'est un espèce de petit trieur, mais du coup, avec mes cours. Bon, bah là, j'ai un peu visé parce que, comme j'essaye de vider chaque semaine, etc. Mais du coup, voilà quoi. J'aime trop. Ma trousse, je l'aime trop. Elle me motive grave à travailler. C'est une trousse Emma avec ses petits stabilos. Trop mignon quoi. Genre, regardez ça. Comment vous voulez pas travailler dans ces conditions? J'en ai un autre là. Hop. Comme ça, avec ce bête de stylo trop mignon aussi, genre vraiment, et celui-là, bon, bah, tu vois, ça vient de chez Emma, quoi, donc j'adore, et ma petite règle qui s'ouvre comme ça, donc, pas mal, bref, voilà quoi, là c'est parti. Donc là, du coup, je vais travailler un petit CM là, pendant quelques temps, donc c'est parti. Thank you.
maintenant je vais manger. Donc hier j'ai préparé des brocolis avec du riz et des haricots verts et des lardons. Donc là maintenant je vais mettre tout à chauffer et on va manger devant une petite série Netflix. J'aime trop. Donc voilà, maintenant je m'installe et ensuite chercher mes deux télécommandes. Et voilà ma série du moment. J'aime trop. Je l'aime trop cette série. Donc là, je rentre dans la chambre de ma fille, de mon amour. Donc ici, toute la partie de ma fille est faite. Donc je vous tournerai une vidéo sur ma valise maternité. Là, c'est ma partie à moi, c'est en train de se faire. Ici, je cache le prénom que ma mère a brodé sur le petit carnet de santé. Je vais pas tout vous montrer, mais je commence un peu à trier tout ça. Et je vous ferai un room tour de la chambre de ma fille quand tout sera fait, tout sera terminé. Voilà quoi. D'ailleurs, je vais rester sur la gamme Mustela. Pour le moment, je vais tester, etc. J'ai plein de... Enfin, du coup, ici, j'ai encore des Mustela que j'ai acheté, tout ça. Donc, ici, on est sur une crème hydratante. Là, un liniment. Ici, sur une eau nettoyante. Dans la valise de maternité, dans sa trousse de toilette, il y a gel douche, lait de toilette, etc. Ici, j'ai une huile de massage et de la crème des Pantene. Et ici, ça, c'est un spray pour les érythèmes fessiers. Et ici, c'est un petit gel hydroalcoolique. Et voilà. Donc, on commence. Je pense que ça va changer, hein, parce que j'ai pas encore tout. Donc, voilà, ça, c'est des... C'est du sérum fille, là, de cocoton. J'adore, j'ai trop hâte de vous tourner le room tour de la chambre. Ah, vous avez vu comme elle est trop mignon. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous mette tout en barre d'infos. J'ai acheté des petits attaches tétines et tout, je peux pas vous montrer pour le moment. Si, je peux vous montrer comme ça. Donc il est vraiment trop mignon, j'adore. Ensuite, j'ai quelques tétines là, ici, que j'ai déjà fait stériliser. Là aussi. Petit coup de cœur, ce petit thermomètre là que j'ai déjà rangé. Je l'aime trop. Bon, regardez pas ça, ça c'est pour le dessous du lit. C'est pas encore fait. Là, si vous voulez savoir, c'est le petit journal de mon bébé. Donc, je le remplis petit à petit. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'espère vous mettre sur une page, voilà. Mais du coup, il est hyper bien. La photo de mes 6 mois. Je garde toutes les dates importantes. De mes tests de grossesse, de mes premières échos, tout ça. J'ai tout gardé. Il y a encore des cartons dans sa chambre car tout n'est pas terminé. Mais si vous voulez, je vous dévoile quelque chose. Pour Noël, elle aura cette petite robe trop mignonne. Regardez. Comment ne pas craquer en fait? Comment? Genre elle va être tellement mignonne là-dedans. Oh là là, tout doux ma vie. C'est du 3 mois. Là, j'ai trop hâte en fait déjà de la voir avec moi et tout. Oh là là, je me dis mais... Je l'aime déjà trop. Vraiment, c'est pas possible. Je pense toujours à elle, dès que je la sens pas, je suis là, oh mon dieu j'ai peur et tout. Je sais pas si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive, je sais pas. Si vous êtes enceinte ou pas, moi je m'assois là. Mais j'aime trop. Je suis trop bien, je suis trop contente. Oh là là. Ça va arriver dans pas longtemps. Je me dis que... Donc ce vlog, il va s'arrêter là. Je suis trop contente de l'avoir tourné aujourd'hui. Comme ça, j'ai pu me remettre dans le bain, au taquet, tout ça. Donc, on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous serez présents et tout, et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait ultra plaisir, comme d'habitude.
Mon compte Instagram, il est en barre d'infos, donc n'hésitez pas non plus à vous y abonner. Et voilà. Gros bisous et puis à samedi.